少女はお茶会に遅れないよう、もう何日も眠ることができない、いや寝れないでいる、寝たらダメだ、寝たら死ぬ。La restauration Meiji ne fut pas qu'une succession de batailles sanglantes et d'intrigues de cour, elle fut aussi possible grâce à la révolte des paysans et des ouvriers contre le shogunat, mais c'est un aspect beaucoup moins connu de cette période complexe et pleine de fantasmes historiques. Elle doit également beaucoup à quatre hommes qui œuvrèrent dans l'ombre et ne laissèrent pas ou peu leur nom à la postérité. Ce que l'on nomma les quatre Hitokiri, ce qui veut dire à peu de choses près les destructeurs d'hommes, étaient des assassins, des espions meurtriers et venimeux au parcours très différent, mais qui contribuèrent à travers les actions ciblées et fatales à accélérer le retour sur le trône de l'empereur et la fin de la tyrannie Tokugawa. Ce sont ces quatre héros de l'ombre, ces assassins de légende qui semèrent la mort, certes, mais précipitèrent aussi le Bakumatsu, c'est-à-dire la transition entre le Bakufu, le shogunat, et la restauration impériale. Ces hommes, dont on ne sait finalement que ce qu'ils ont bien voulu dire et quelques archives dans les monastères et registres impériaux, je vais vous en parler un par un, car tous les quatre méritent leur chapitre tant leurs vies sont fascinantes. Ils se nommaient Kirino Toshiaki, Okada Iso, Tanaka Shimbei et Kawakami Gensai. C'est de ce dernier qui inspira vaguement le personnage de Kenshin dans le manga du même nom, dont je voudrais vous parler pour attaquer ce récit historique particulier et en quatre volets. Alors laissez-moi vous conter l'histoire du premier Hitokiri dont la lame fit trembler le shogunat et ensanglanta les terres du Japon médiéval agonisant, Kawakami Gensai. De son vrai nom Komori Genjiro, Kawakami est né à Shinmachi au château de Kumamoto sur l'île de Kyushu le 4 décembre 1834. Il est le deuxième fils d'un petit seigneur de guerre local, Komori Sadasuke, et d'une érudite, sa femme Waka. Très jeune, il sera initié aux arts et à la lecture, apprendra les écritures sacrées et les récits épiques et s'essaiera au maniement du sabre avec son père. Garçon à l'ossature et aux traits très fins, portant les cheveux longs comme son rang l'exigeait, il sera souvent confondu avec une petite fille dans les couloirs du château, ce qui exaspérera ses parents qui, pour parfaire son éducation et endurcir son corps et son esprit, le confieront à leur vassal, le seigneur de guerre Kawakami. Connu pour sa violence, son goût du combat et son fanatisme religieux bouddhiste, Kawakami accueillit le jeune garçon, lui donna son nom et changea son prénom en Gensai. Si elle peut vous surprendre aujourd'hui, cette tradition de confier ses enfants à quelqu'un d'autre et même de les faire adopter était très répandue au Japon à cette époque et ce depuis le début du déclin de l'Empire. Ce sont les shogunats successifs qui ont pérennisé cette pratique, privilégiant le mérite et l'accession au titre de noblesse par les armes et le sacrifice que par la simple naissance comme la vieille noblesse impériale millénaire. Le jeune Gensai, puisque c'était désormais son nom, se retrouva donc privé de ses pinceaux, de ses livres et de sa préceptrice. On lui rasa le crâne et lui passa une toge grise pour rejoindre un monastère bouddhiste près de Kyoto, capitale impériale mais bien loin du pouvoir central Tokugawa de Edo. Dès son arrivée, il apprit les Védas, les écritures saintes de l'enseignement bouddhiste, la discipline, la vénération de la famille Tokugawa, mais aussi le maniement des armes. Son éducation religieuse fut confiée à Todoroki Todoroki, un moine érudit et traditionnaliste qui lui enseigna le dogme, la supériorité du bouddhisme sur toutes les religions, mais aussi le culte de la race supérieure japonaise sur les autres peuples, tant qu'elle sera menée par le shogunat Tokugawa. Son éducation littéraire fut confiée au moine Oen Hayashi, un religieux modéré qui était entré dans les ordres monastiques tardivement, par carriérisme plus que par conviction, et conservait des élans légalistes envers l'empereur qu'il devait cacher à ses frères pour sa sécurité, mais qu'il n'hésitait pas à enseigner au jeune Gensai à travers ses choix de textes. Enfin, son éducation militaire fut confiée à Otagoro Tomoo, un leader nationaliste et pro-shogunat, grand ennemi des plaisirs de la vie que l'on appelait Ukiyo, et défenseur de la rigueur militaire et de la sobriété, mais surtout, stratège hors pair et bretteur redoutable.
Mais on le confia aussi aux bons soins de Harutaka Kaya, samouraï expert du maniement du sabre et du combat kamikaze-ren, une technique inventée par le maître d'art Miyabe Joizo et utilisée par des sabreurs triés sur le volet et traditionnellement plutôt légalistes et pro-empire. Ce sont ces trois enseignants et maîtres à penser qui, petit à petit, vont lui insuffler ce sentiment nouveau et des plus exaltants pour un enfant de son âge. La voix du Sonodoi, littéralement révéler l'empereur, expulser les barbares, un mouvement ultranationaliste, xénophobe et violent, mais aussi légaliste, et pour le retour sur le trône du chrysanthème de l'empereur légitime et choisi par les dieux. Harutaka Kaya, l'un de ses maîtres d'armes, était d'ailleurs un prêtre Shinto défroqué qui lui enseigna les fondements de la religion d'État et ancestrale, celle qui avait été interdite, du moins évincée, au profit du seul bouddhisme par Tokugawa Ieyasu, fondateur du shogunat du même nom. À 16 ans, Kawakami était devenu un nationaliste légitimiste convaincu ainsi qu'un combattant redoutable mais un bien piètre moine et bientôt, son caractère froid, calculateur et incapable de pitié pour la misère humaine lui vaudra son renvoi du monastère au profit d'une carrière militaire. Un peu déçu de partir en mauvais termes avec ceux qui l'avaient élevé et pour qui il avait tout de même un profond respect, il resta quelques jours de plus pour préparer son départ vers l'académie militaire et demanda audience auprès du moine dirigeant la petite communauté. Mais alors qu'il se préparait à le rencontrer, un incendie terrible se déclara dans les parties communes et les 8 moines de la communauté se retrouvèrent prisonniers des flammes, incapables de sortir des bâtiments. Kawakami, n'écoutant que son courage et son amour réel pour ses frères, trempa ses vêtements avec de l'eau et se couvrit le visage, puis, escaladant un mur léché par les flammes, fit descendre les religieux pris au piège grâce à des cordes qu'il avait pu attacher au menton pas encore brûlé d'une grande fenêtre. Tous s'en sortirent avec des blessures légères, Kawakami fut légèrement brûlé mais gagna le respect et l'admiration de toute la communauté louant son courage, certes, mais aussi son altruisme. Lui qui, de par son caractère impassible et froid, était passé pour un mauvais homme tout ce temps, partait avec l'aura d'un bienfaiteur. Petit, environ 1m50, très mince et aux traits délicats et presque féminins, il dut renforcer ses techniques de combat pour exister au sein de sa nouvelle unité et développer à l'extrême ce côté impitoyable qui le poussait déjà à blesser gravement ses amis lors des entraînements et le fit massacrer ses ennemis lors de son premier combat. De plus en plus acquis à la cause Sonojoy, il commencera, dès ses premières années d'apprentissage des armes à temps complet, à douter de la légitimité du shogunat et de la famille Tokugawa qui dirigeait le Japon d'une main de fer depuis 2 siècles et demi. Lui, le fils d'une famille tout entière dévouée aux descendants de Ieyasu, le premier shogun, qui devait tout à ce régime, remettait tout ce qui le constituait en doute. Certes, la doctrine Tokugawa était ultranationaliste, comme ses convictions les plus profondes, elle rejetait les influences extérieures, détestait tout ce qui n'était pas japonais et vouait un culte à la force, l'honneur et la mort héroïque, comme le préconisaient les saintes écritures, mais elle faisait cependant l'impasse sur un pan crucial de l'histoire plusieurs fois millénaire du Japon éternel, la croisée de son destin avec celui de ses empereurs d'essence divine. Car oui, comme tous les japonais de son époque, Kawakami était sûr de la divinité des monarques issus du divin Jimmu, le premier empereur du Japon et fils de la déesse Amaterasu Omikami. La dynastie Tokugawa, toute méritante fut-elle à ses yeux, était arrivée là par intrigue politique et assassinat sournois, ce qui peut s'entendre en politique, mais évincer un peu plus chaque génération l'empereur et la famille impériale, cloîtrés dans son château de Kyoto et loin du pouvoir politique. En écoutant ses maîtres à penser et en lisant les écritures des loyalistes, il en viendra à découvrir la pensée de Hampeita Taketi, un samouraï du domaine de Tosa qui aspirait au retour de l'empereur aux manettes, et surtout à la fin du règne illégitime des Tokugawa. Il se rapprocha de lui par le biais de ses maîtres d'armes et rentrera à son service en 1863, alors que se préparaient de grandes choses dans le plus grand des secrets. Dès son arrivée dans ce domaine aux activités clandestines, car ouvertement conspiratrices, il dut s'affirmer et gagner le respect de ses compagnons d'armes.
Kawakami, lors de ses apprentissages avec Otagoro Tomoo et surtout Miyabe Joizo, avait appris puis maîtrisé la technique de sabre dite Furanoi Kenjitsu, l'éclair puissant, et qui jouait sur sa petite taille et sa rapidité pour tailler l'adversaire dans sa hauteur de la poitrine à la cuisse, le tuant sur le cou dans un éclat de son impressionnant qui semait l'effroi chez tous ceux qui y assistaient. Alors, ce jeune guerrier à l'allure enfantine s'imposa dès son arrivée en coupant en deux l'un des soldats qui lui servit de partenaire d'entraînement ce jour-là, gagnant le respect de tous et l'admiration du maître des lieux. C'est à cette époque qu'il rencontrera Kiyokawa Hachiro, un samouraï renégat devenu ronin, fuyant la justice shogunale pour un meurtre politique et totalement acquis à la cause Sonojoi. Il présentera Kawakami à trois autres jeunes bretteurs supérieurement talentueux et soumettra au maître Hanpei Tai l'idée de créer une unité spéciale en prévision des temps durs et sombres qui arrivaient. Pour remettre le climat politique de l'époque dans vos mémoires, je vais revenir un instant sur l'événement qui avait ouvert la brèche du Bakumatsu, c'est-à-dire la fin du Bakufu, ce régime militaire qui durait depuis la fin du XIIe siècle et avait vu se succéder les shogunats de Kamakura, Ashigaka et bien sûr Tokugawa. En juillet 1853, le commodore Matthew C. Perry et ses quatre vaisseaux de guerre entraient en force dans la baie d'Edo, la capitale du Bakufu, menaçant la ville si le shogun n'ouvrait pas le Japon au monde et aux relations commerciales avec les États-Unis, dont il était le représentant mandaté. Abe Masahiro, le conseiller privé et chambellan du shogun Tokugawa Ieyasu, qui devait être l'antépénultien, lui conseilla de recevoir les émissaires étrangers malgré la politique de fermeture et ouvertement xénophobe du régime, lui confirmant la menace réelle de se faire écraser par des forces militaires américaines nettement plus fortes que les siennes. Malgré la forte pression des daimyo, les aristocrates du système féodal, qui voulaient faire la guerre avec les Américains, quitte à y laisser la vie, le chef suprême accepta un compromis et chargea le conseiller Abe de rédiger une convention. Ce dernier, conscient des réalités du pays, mais aussi de celles du monde, accorda trois comptoirs aux Américains à Nagasaki, Shimoda et Hakodate, conservant l'interdiction de commercer avec l'étranger mais ouvrant une brèche dans la rigueur du Bakufu et laissant apparaître ses faiblesses. Dès lors, Abe, qui avait des velléités progressistes, sans être pour le retour de l'empereur pour autant, vit dans cette grande première politique qu'avait été le premier débat de l'époque shogunale l'opportunité de proposer des réformes et de moderniser le pays car il l'avait constaté et consigné dans ses écrits, l'enfermement et les guerres internes incessantes avaient fait prendre au pays des siècles de retard technologique et militaire. Alors, Abe et un groupe de Tozama Daimyo, ces seigneurs un peu plus éloignés du pouvoir central, entreprit des rapprochements avec les gouvernements des puissances étrangères qui stationnaient maintenant dans les trois comptoirs autorisés, dont le gouvernement hollandais avec qui il négocia l'achat de navires de guerre modernes et accepta l'aide logistique et stratégique en conviant des formateurs militaires. Toutes ces réformes auraient pu conduire le pays vers une ouverture au monde semblable à ce qu'elle fut avec la restauration Meiji en 1858, en pleine ère Ansei, c'est-à-dire une nouvelle période de paix, le daimyo de Hikone, Naosukeri, contestant la légitimité du shogun qui devait succéder à Ieyasu qu'il jugeait trop faible, trop influençable et surtout traître au régime militaire autoritaire de ses aïeux, lança une campagne d'assassinat et de purge pour mettre sur le siège du pouvoir Tokugawa Iemochi, qu'il tenait pour plus autoritaire mais surtout contrôlé facilement. Naosukeri souhaitait le commerce avec les étrangers et le rayonnement du Japon à travers le monde pour renforcer le shogunat et le pérenniser sur la durée, faisant reconnaître les Tokugawa comme seul souverain du pays et reléguant l'empereur au rang de bibelot. C'est ce qui aboutit au traité de Harris, du nom de Townsend Harris, consul des USA au Japon à cette période. Naosukeri et le shogun signèrent un traité qui établissait des ambassades étrangères au Japon, mais surtout des ambassades japonaises à l'étranger, asseyant la légitimité du shogunat. Il ouvrait 5 nouveaux ports au commerce international, ceux d'Edo, de Kobe, de Nagasaki, de Niigata et de Yokohama, et garantissait aux citoyens américains le droit de vivre au Japon en conservant leur mode de vie et d'être jugés par une juridiction américaine en cas de crime ou délit, ce qui perdure toujours autour des bases américaines de nos jours, mais aussi d'acheter des armes et matériel militaire aux États-Unis sans contrôle de la communauté internationale.
L'une des clauses de ce traité, celui qui établissait de faibles taxes pour les étrangers sur les produits d'importation et d'exportation, fit grincer les molaires du gouvernement japonais, mais c'était la condition pour que le consul Harris signe. Mais revenons à nos samouraïs adeptes du Sonojoy qui, je vous le répète, veut dire révérer l'empereur, expulser les barbares et à leur rôle dans cette période troublée de l'histoire. Kawakami, remarqué par ses pairs, fut envoyé pour sa première mission à Yokohama où des heurts entre étrangers et commerçants japonais éclataient de toutes parts. Il fut chargé de se débarrasser d'un directeur de comptoir américain qui exploitait des employés japonais et copinait un peu trop avec les hommes du shogun. Déguisé en voyageur, il se glissa parmi les clients de son estaminet et au moment propice coupa l'homme en deux par le milieu. Il sauta hors de l'établissement et se glissa dans la foule avant de disparaître sans que personne ne puisse savoir qui avait agi. La réussite de cette mission revint aux oreilles des Isshin Shishi, les impérialistes politiques hostiles aux Tokugawa qui convoquèrent Kawakami ainsi que trois autres assassins confirmés ou en phase de le devenir, Toshiaki Kirino, Izo Okada et Tanaka Shimbei qui devaient devenir les quatre assassins du Bakumatsu, l'unité secrète la plus discrète de la restauration Meiji, enfin discrète, au début tout du moins. Sûr que l'empereur qu'il remettrait sur le trône couperait le pays des influences étrangères et rétablirait les privilèges des samouraïs déchus par les shoguns, les Hitokiri, les assassins, se lancèrent à corps perdu dans les exécutions politiques et firent couler le sang de leurs ennemis. Kawakami avait adopté une tenue particulière qui lui permettait de camoufler un peu sa silhouette fluette facilement reconnaissable et cacher son visage trop fin pour passer inaperçu derrière une espèce de cagoule surmontée d'un chapeau qu'il portait le plus clair du temps, le rendant identifiable par les initiés et membres du Isshin Shishi. En 1860, très agacé par les manœuvres politiques de Naosukeri, qui, d'après les partisans de l'empereur, vendait le pays aux étrangers, Kawakami fut chargé d'organiser son assassinat avec Jisaemon Arimura, un samouraï du domaine pro-empire de Satsuma, et pour ce faire recruta une équipe de 17 ronins tous issus de clans et familles hostiles au Tokugawa. Le 24 mars, alors que le daimyo sortait d'une réunion et se rendait avec une garde réduite à son domicile de la porte de Sakura Daemon dans le château d'Edo, Kawakami se débarrassa des quatre gardes en quatre passes de sabre enchaînés, créant une diversion qui laissa le champ libre aux 17 exécuteurs, rendant le geste symbolique et envoyant un message fort au pouvoir. Les 17 ronins taillèrent les gardes du corps du conseiller du shogun en pièces dans la rue et laissèrent une bannière impériale à côté du corps ensanglanté de Naosuke qui fut achevé par une balle de Colt 1851 Navy comme ceux offerts par le Commodore Perry au shogun pour le symbole là aussi, avant d'être décapité par Jisaemon Arimura. Un rapport de police suivant cet assassinat fit rapport de l'emploi de la technique Furunoe Kenjitsu, l'éclair puissant, sur les quatre gardes tués, laissant à penser qu'un 19e homme, et pas n'importe lequel, était présent au moment des faits. Quelques semaines plus tard, Kawakami fut chargé d'éliminer les 6 conseillers de Naosuke qui, d'après les renseignements obtenus par les cadres du Isshin Shishi, avaient rédigé un rapport sur les forces hostiles au shogun, dans lequel des noms apparaissaient dont celui de Kawakami, mais aussi ceux de dignitaires importants des domaines de Choshu, Satsuma et Tosa, qui menaient les préparatifs d'une nouvelle offensive armée contre les troupes de Tokugawa. Les 6 hommes siégés dans une aile dédiée du château d'Edo, protégés par des gardes et tout entier occupés à la rédaction de ce rapport, déchiffront des registres et des lettres interceptées sur des émissaires de la rébellion. Sachant qu'ils n'avaient guère le temps de les éliminer un par un lorsqu'ils rentreraient chez eux, Kawakami décida de trancher au cœur du problème et mit au point un plan d'attaque au sein même de la forteresse seule. Le château d'Edo étant l'une des places fortes les mieux gardées du pays, surtout en ces temps troublés, l'assassin profita du jour et d'une porte qui laissait les marchands accrédités rentrer pour livrer, et jusqu'au soir se cacha sous les sacs de céréales entreposés près des cuisines. À la nuit tombée, vêtu de son habituel costume sombre, il se glissa dans les couloirs et en direction de l'aile dans laquelle les 6 conseillers étaient enfermés et travaillaient à leur ouvrage. La porte principale était gardée par 2 hommes en armure légère portant tous deux des naginatas et lances à longue lame et leurs sabres aux côtés.
Se glissant le long d'un mur, en évitant la lumière des flambeaux, il sortit son sabre, forgé, dit-on, plus de 5 siècles auparavant par Masamune lui-même pour l'un de ses ancêtres, et bondissant comme un diable, frappa le premier garde au cou, gardant une position debout inhabituelle dans son style de combat, puis prenant appui sur son genou, entailla le second garde de la poitrine au nombril, coupant net la protection de tissu et le ventre de l'homme. Tous les deux s'écroulèrent sans bruit, morts, et Kawakami s'engagea dans le couloir qu'il savait mener vers la salle des conseillers. Discrètement, il marcha dans l'obscurité des recoins mal éclairés et, arrivant à la hauteur de la porte, se rua vers les deux gardes en armes qui protégeaient l'entrée. En deux gestes secs et précis, il perça les entrailles des malheureux qui n'eurent même pas le temps de crier. Il n'a jamais donné de détails sur ce qui se passa dans la salle des conseillers, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils furent retrouvés morts quelques heures plus tard, ouverts en deux par le milieu. Ces faits d'armes firent que Kawagami, toujours sous le sceau du secret, gagna la pleine confiance des huiles du Isshin-Sissi, la rébellion impérialiste, qui le mirent dans le secret des dieux et partagèrent avec lui les projets d'insurrection et d'attaque des clans amis. Mais dans ses plans de reconquête du pouvoir, qui avaient l'air plutôt bien pensés, l'avenir prouvera que oui, certaines personnalités s'érigeaient encore comme des obstacles possibles au ralliement des clans et à la restauration impériale. Parmi eux, Shōzan Sakuma, fils de samouraï scientifique et tacticien militaire très inspiré par les techniques et méthodes occidentales qui avaient été étudiées avec les Américains envoyés par Perry. Ce qui lui avait valu quelques ennuis avec les autorités shogunales avant de revenir en odeur de sainteté suite à la rédaction de traités militaires qu'il mit à la disposition des forces Tokugawa. Très respectueux du rôle symbolique de l'empereur, mais aussi de son caractère divin, il sera l'un des fondateurs de la doctrine Kobugantai qui prônait la fusion entre le shogunat et l'empire pour un gouvernement éclairé et un partage des pouvoirs. C'est cette doctrine qu'avait aussi prônée Naosukeri quelques années auparavant, ce qui lui avait coûté la vie. Pour les adeptes de l'Empire comme Kawakami et les membres du Isshin-Sissi, ce compromis était impossible et il fut décidé que Shōzan devait mourir. C'est Kawakami qui se porta volontaire pour cet assassinat qui devait se dérouler au grand jour devant témoins pour marquer les esprits. Il savait qu'il risquait sa vie ou, minimum, sa liberté, mais l'idéaliste qu'il était avouera ne pas avoir hésité une seconde. C'est le 12 août 1864 qu'il passa à l'acte. Alors que Shōzan se promenait dans les rues de Kyoto en toute quiétude, Kawakami se précipita sur lui en hurlant et l'exécuta d'un coup de sabre fatal sans autre forme de procès. Une vingtaine de témoins assista à la scène sans intervenir et le Hitokiri, l'assassin, rengaina son sabre après l'avoir essuyé sur le kimono de sa victime et disparut en un éclair. Il trouvera refuge dans le domaine de Choshu, l'une des terres les plus hostiles au shogun, et y enseignera le maniement des armes aux officiers de l'armée régulière et aux samouraïs en formation. Parmi ceux qui bénéficieront de son enseignement se trouvait le prince Sanetomi Sanjo, futur premier ministre de l'empereur Meiji et père de l'Empire. La seule chose qui fit sortir Kawakami du domaine pendant ces quelques mois de repli fut l'expédition punitive contre les Shinsengumi, les troupes de police spéciales du shogunat suite à l'incident de Ikedaya dont je vous ai déjà parlé et qui avait vu nombre de partisans de l'empereur se faire tailler en pièces. Ces hommes racontèrent que Kawakami avait tué 31 hommes à lui tout seul pendant cette sanglante chevauchée. Il finira cette période du Bakumatsu aux côtés du daimyo de Choshu, combattant avec ses hommes jusqu'à la restauration Meiji et le retour du monarque divin sur le trône du chrysanthème. À ce titre, ses assassinats passés furent vite oubliés et il trouva un poste d'instructeur dans la nouvelle armée impériale où il enseignera la philosophie de la voie ancestrale du guerrier, le Bushido, aux jeunes samouraïs qui ne se doutaient pas encore qu'ils seraient les derniers. Mais très vite, le réformisme à tout va du jeune empereur et son ouverture au monde, trahissant tous les idéaux de Kawakami, mit l'ancien assassin dans de très mauvaises dispositions vis-à-vis de ce nouveau gouvernement qu'il avait pourtant tant espéré. Par égard pour les services rendus, il ne fut pas emprisonné, mais craignant que son influence ne se répande dans les rangs des hommes qui le respectaient beaucoup, il fut affecté à la formation militaire dans le petit camp de Tsurusaki dans l'ancien domaine de Kumamoto.
Très vite, ce petit centre de formation se transforma en plaque tournante de l'esprit et des codes samouraï que le jeune empereur venait justement d'abolir, puis d'interdire. C'est à cette époque que Omura Matsujiro, grand réformateur de l'armée impériale et instigateur de l'armement moderne et de l'entraînement occidental, prendra Kawakami en grippe ainsi que tous les nostalgiques du temps révolu des samouraïs. Peu enclins à se laisser interdire leur héritage, ces derniers montèrent une expédition punitive contre Omura, Kawakami en tête, et le 9 octobre 1869, dans une auberge de Kyoto, 9 hommes d'armes en colère attaquèrent le ministre des armées, découpant ses gardes du corps et le blessant mortellement. Kawakami n'eut pas le temps de donner le coup fatal au traître avant que ce dernier ne soit exfiltré par un homme de main. Il mourra de ses blessures quelques semaines plus tard et les assassins seront clairement identifiés par les officiers présents. Un avis de recherche nationale fut lancé contre les samouraïs renégats et assassins, traités de traîtres par la police impériale et les autorités. Kawakami, qui était dans le lot des meurtriers recherchés, trouva refuge quelque temps chez ses amis, restés fidèles au Sonojoy, avant de refaire parler de lui une dernière fois dans le cadre de ses activités éliminatoires. Hirosawa Sanehomi, un conseiller d'état du jeune empereur, élément important de la restauration et pièce maîtresse de la réorganisation gouvernementale, prit la parole devant des journalistes à la fin de l'année 1870. Il y condamna fermement les assassins de son ami Omura et dit tout le mal qu'il pensait des anciens codes et des passéistes qui refusaient les réformes. Les noms de quelques-uns de ceux qu'il considérait lui aussi comme des traîtres fusèrent, et parmi eux, bien sûr, celui de Kawakami Gensai. Il n'en fallut pas plus pour décider le Hitokiri à passer à l'action. Bien décidé à faire rendre gorge aux politiques réformistes et amis des envahisseurs, il se rendit nuitamment dans sa maison de Kojimachi à Tokyo, qui ne s'appelait plus Edo depuis quelque temps, et s'introduisant dans sa chambre, il le réveilla et lui laissa le temps de se mettre debout. Une fois l'homme en position décente, il lui exposa ses griefs et le coupa en deux avec son sabre selon l'ancestrale technique Furani Kenjitsu, qui allait bientôt tomber dans les oubliettes de l'histoire militaire. Cette signature martiale lui valut la cour du même nom après quelques semaines de cavale et une arrestation dans les environs de Kumamoto, où il espérait retrouver des alliés chez ses anciens compagnons d'armes. Il sera ramené à Tokyo et jugé pour complot et meurtres multiples visant à déstabiliser l'État, et condamné à mort. Il sera décapité le 13 janvier 1872 à Nihonbashi et repose encore aujourd'hui au cimetière du temple Honmonji, dans le quartier de Ota, à Tokyo, à quelques pâtés de maison de ma résidence. Kawakami Gensai est resté dans la mémoire collective japonaise l'un des derniers sabreurs à avoir voulu conserver son style de vie et ses idéaux jusqu'à la mort. Loin du Ronin romantique dépeint dans les fictions inspirées de sa vie, dont la principale est le manga Rurouni Kenshin, Kawakami était un véritable défenseur de l'isolationnisme et de l'ultranationalisme, en des termes que je ne pourrais relater ici sous peine d'être voué au geôle de notre époque. Il fit partie de ceux qui voyaient en l'étranger un danger permanent et en les valeurs ancestrales, un confortable refuge, refusant de voir que le monde changeait et que son cher pays devait prendre le train de la modernité ambiante sous peine de disparaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Avant de nous quitter, je voulais vous faire voir le mémorial, la tombe de Kawakami Gensai, dans ce cimetière du temple de Honmonji, toujours dans la préfecture de Ota, qui compte nombre de temples et de sanctuaires, voire même de tombes, de mémoriaux pour les héros de la restauration Meiji tombés devant les troupes du shogunat Tokugawa. Je ne vais pas m'attarder ici, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer les tombes principales et nous nous quitterons là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, de partager mes contenus. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez m'aider en laissant un petit pourboire sur Tipeee et sur Utip, en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, comme je vous dis à chaque fois, les CD, des musiques de la chaîne et bien d'autres choses.
Voilà, je vous laisse, je vous amène avec moi faire une petite balade dans ce sanctuaire dédié, entre autres, aux héros du Bakumatsu. Allez, à très bientôt. Matane.